Très très rapidement, oui. Vous avez amené des blagues dans un panier, j'en ai moi aussi dans le mien, nous allons nous raconter des blagues. Et le premier des deux qui rit aura une... Voilà, très bien. Une pelle? Non, une tapette. Ah bon? Voulez-vous commencer, Michel? Vous en avez apporté, soit à vous ou... Soit à moi. Je peux choisir une autre que celle-là? Oui, bien sûr. En premier? À l'attaque, Michel. Oui, oui. Ah voilà, celle-là elle me plaît. Il est quelle heure? Il est... C'est bon, on peut la raconter. Minuit et demi. Elle me fait mourir de rire. Alors, vous la connaissez? Dépêchons-nous. C'est un type, un jour il va chez un médecin, ah, c'est à vous. Eh ben, oui, ils vont rire. Vous avez ri déjà? Non. Oui, vous avez souri. Oh, non, je parle. C'est un type, un jour il va chez un médecin, il a un petit sexe. Et il va chez le docteur et il fait, docteur, voilà, je voudrais que vous m'aidiez parce que mon problème c'est que j'ai un tout petit sexe. Et le médecin lui dit, écoutez, ça c'est pas grave. Il dit, oui, non, mais dans mon cas c'est très grave. Il dit, non, mais je vous jure, un petit sexe c'est vraiment pas grave, vous pouvez très bien vous en sortir. Non, dans mon cas, examinez-moi, vous allez voir. Le médecin l'examine, il voit le sexe, il fait, dans votre cas, effectivement, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et il dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, j'ai une idée. Ça va peut-être coûter un peu d'argent, je suis pas sûr que ça marche, mais on va pouvoir le faire. C'est parce que je pense à la suite. Il dit, allez-y docteur, moi je suis prêt à tout pour sauver ma famille, mon couple, ma vie, tout ça. Il dit, voilà, ce que je propose, c'est vous prendre l'appareil génital et de l'avancer vers l'avant, ça vous ferait gagner peut-être un centimètre ou deux. Il dit, allons-y docteur. Il fait l'opération, trois mois après, le mec arrive, il fait, alors comment ça va? Il fait, c'est super docteur, bon, mais ma vie a changé, on fait l'amour avec ma femme, on sent bien, on est heureux, c'est magnifique. J'ai un seul petit problème, quand je fais l'amour, parce que quand vous m'avez remonté le sexe, vous m'avez aussi remonté les couilles, ce qui fait que quand je fais l'amour, il y a mes couilles qui touche et ça fait mal au bout d'un moment, ça fait très mal. Mais ça lui dit, écoutez, j'ai bien une idée, ça coûte un peu d'argent et je sais pas si ça va marcher. Avec vous, je vous suis un enfer, docteur. Je peux vous laisser le sexe où il est et vous redescendre les couilles. Ah, il est très fort parce qu'il a envie de rire. Il dit, allons-y, docteur. Il l'opère, il revient trois mois après, il lui fait, alors, c'est génial! On fait l'amour, ça cogne plus, c'est super, j'ai plus mal, j'ai un seul petit problème. Comme vous m'avez descendu les couilles, vous me les avez rapprochés du trou de mon cul. Ce qui fait que quand... Il est tard, hein. Ce qui fait que quand je chie sur mes couilles. Allez. Attendez. Et là, ce mec lui dit, là, je vais vous envoyer chez Brabant. Et il fait, c'est qui ça, médecin? Il fait, non, c'est un garagiste. Il va vous poser un garde-boue.